Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Me voici encore devant ton trône, Seigneur, parce que je t'avais promis que je me repentirais publiquement devant toi pour honorer ton saint nom. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Tu as dit, la vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Seigneur, tu nous as montré deux chemins. Dans Deutéronome 28, tu as dit, Seigneur, que ton commandement, ton premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a point un autre commandement à part ce commandement que tu nous as donné. Dieu vivant, je m'étais déjà repenti quand j'ai ouvert cette page YouTube. Mais tu nous demandes de nous repentir tous les jours. Tu ne veux pas qu'on se repente un jour et qu'on se dise qu'on s'est repenti, ça suffit. Parce que tous les jours que tu fais, nous péchons. Et tu as dit dans ta parole de ne point se trouver juste à nos propres yeux. Jésus, la fin du monde est proche. Il y a eu trop de hauts et de bas qui se sont passés. Et ce qui arrive est plus grave. Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as dit dans ta parole, Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert. Et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. C'est ce que tu as dit, Seigneur, dans Jérémie chapitre 3, verset 13. Éternel des armées, tu ne fais que tirer nos oreilles pour que nous nous repentons. C'est pour ça que je suis là le jour d'aujourd'hui. Pour confesser mes péchés que tu connais déjà. Parce que tu as dit dans ta parole que celui qui aura honte de moi devant tout le monde, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Seigneur, c'est pourquoi je suis là, pour me repentir. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Dieu vivant, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Depuis que j'étais dans les reins de mon Père, depuis que tu m'as mis dans les reins de mon Père, et l'ennemi est venu me tenter, essayer de m'attaquer dans les reins de mon Père. Depuis que mon Père m'a mis dans le sein de ma mère et l'ennemi est venu m'attaquer pour essayer de voler l'étoile que tu m'as donnée, tout ce que tu as créé pour moi, pour toi, ta gloire. Je te demande pardon pour ce péché-là.
Et depuis que je suis sortie du sein de ma mère et que j'ai connu le bien et le mal, tous les péchés que j'ai commis, je te demande pardon pour ça. Parce que tu as dit dans ta parole, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni tout ce qui est dans sa maison. Seigneur. Mais il s'est trouvé que quand je suis née, ma mère avait percé mes oreilles. Elle avait mis tout ce qu'elle pensait être bien sur mon corps. Dieu, alors que tu as dit dans Deutéronome chapitre 6 que tu n'adoreras point un autre Dieu. Tu ne te procéderas point devant un autre Dieu. Jésus. Mais je l'ai fait. Parce que partant de mes grands-parents, mes aïeux, mes grands-parents, jusqu'à moi, nous avons adoré des faux dieux. Seigneur, et j'ai convoité Jésus de Nazareth, des hommes. Dieu, quand j'ai grandi, étant mannequin, étant hôtesse, ils m'ont habillé avec n'importe quoi, Seigneur. J'étais convoité par les hommes. Le nombre de gens qui m'ont convoité, ceux que j'ai séduits dehors, en m'habillant en sexy, jusqu'à Nazareth, je ne connais pas le nombre de ces personnes-là. Non, je ne peux pas mentir parce que tu connais le nombre. Ceux qui ont péché à cause de mon habitude, à cause de mon comportement, à cause de mes pensées, à cause de ce que l'ennemi m'a utilisé, à les séduire dehors, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, à cause du vol. Parce qu'aller séduire un homme qui ne t'appartient pas, c'est un vol. Aller dans un marché, voler là-bas, est un vol. Aller au travail, prendre quelque chose qu'on ne t'a pas donné, que tu prends, tu manges, tu bois, est un vol. Jésus-Christ Nazareth. Aller dans les magasins, voler, est un vol. Je l'ai fait, Seigneur. Je reconnais avoir fait ça. Je te demande pardon. Tu as dit de ne point mentir. J'ai menti. Seigneur. Je te demande pardon. Dieu vivant, tu as dit, malheur à celui qui tire le péché sur lui. Seigneur, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'est que péché. Je te demande pardon pour ça. Les hommes avec lesquels j'ai couché, Seigneur, tu connais le nombre. Je ne connais même pas le nombre. Parce que ceux que j'ai séduits sont trop, Seigneur. Et ceux avec lesquels j'ai couché sont trop, Seigneur. Ceux, les esprits qui sont venus coucher avec moi en songe, tu connais le nombre, Jésus-Christ Nazareth. Tu as dit malheur à celui qui se trouve juste à ses yeux. Je ne suis pas là le jour d'aujourd'hui pour me justifier, pour me trouver juste à mes propres yeux. Jésus, je prie encore. Je fais cette prière là spécialement aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs qui me suivent sur mon YouTube et le nombre est beaucoup par rapport à la repentance que j'avais faite au départ, au moment où je n'avais personne sur YouTube. Au départ, j'étais rentrée dans les détails. Aujourd'hui, je me repens encore, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir désobéi. Tu as dit, celui qui ne t'aime pas fait du mal à son âme. J'ai péché devant toi, Seigneur. J'ai péché devant la nation. J'ai péché devant les anges.
en ne t'écoutant pas, j'ai fait du mal à mon âme. En te désobéissant, j'ai fait du mal à mon âme. Tu as dit, celui qui prononce ton nom s'éloigne du péché et qu'il soit saint, pur. Jésus, j'ai prononcé ton nom pendant que j'étais dans le péché, que je suis dans le péché. Je te demande pardon, Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as dit au Père Tout-Puissant que tout ce que nous faisons, il faut qu'on te demande, qu'on le fasse selon ta volonté absolue. Je ne t'ai pas écouté. Je voulais me marier. J'ai commencé à prier. Tu ne m'as pas donné ton OK. Je me suis lancée dans les bras de quelqu'un avec lequel j'ai eu les enfants. J'ai éduqué mes enfants selon le monde, mais pas selon ta parole. Dieu, je te demande pardon pour tout ça. Je t'en supplie. Seigneur, que tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont commencer à se moquer de moi, je pardonne leurs péchés. Seigneur, pardonne-leur aussi. Il faut leur pardonner. Dieu vivant, je t'implore. J'implore ta clémence. Toute parole que tu m'as donnée et que j'ai négligée, en ayant peur, en disant, oh non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et j'ai douté. Alléluia! Je te demande pardon par rapport à ça. Mon Dieu. Toute parole que tu ne m'as pas donnée non plus, que j'ai attribuée, je t'ai attribuée, je te demande pardon pour ça. Jésus-Christ de Nazareth. Toute nourriture que j'ai mangée, j'ai mis dans ma bouche, qui est impure devant Dieu, devant toi. Je te demande pardon pour ça. Dieu vivant, je t'en supplie, aie compassion de moi. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Si je veux citer, on ne quittera pas là aujourd'hui. Mais je viens publiquement te dire, Seigneur, que j'ai péché devant toi. J'ai fait du mal à mon âme. Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, j'étais en France. On faisait des chèques. On partait acheter des choses dans les malls partout. On volait. Les faux chèques que j'ai faits, je te demande pardon pour ça. Le vol que j'avais fait dans les malls, je te demande pardon pour ça. Toute personne que j'ai offensée, Seigneur, qui était fâchée contre moi, je te demande pardon. Et toi qui connais tout un chacun qui serait fâché contre moi, touche le cœur de toutes ces personnes-là. Je te demande pardon à leurs âmes. Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Jésus, tous ceux que j'avais volés, Jésus de Nazareth, qui ont eu des chagrins dans leur cœur, tu les connais tous. Je te demande pardon, touche leur cœur, afin qu'ils me pardonnent. Seigneur, tous les crédits que j'avais pris en France, toutes les maisons que j'avais louées en France, toutes les maisons que j'ai louées en Amérique ici, les factures de courant, les factures d'eau, Seigneur Jésus de Nazareth, les factures d'Internet, toutes les factures que je n'ai pas payées, je t'en supplie, j'attrape tes pieds. Alléluia, aie compassion de moi, paye mes dettes, Seigneur, je t'en supplie. J'ai payé ce que je devais payer, Jésus, mais ce que je ne peux pas payer, ô Dieu, j'implore ta clémence, pardonne-moi tous ces péchés-là. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit tu ne tueras point. Je suis tombée enceinte, j'avais des avortements. Je te demande pardon pour ces péchés-là. Tu as dit de ne pas regarder les pornos. J'ai regardé des pornos, je te demande pardon pour ça. Tu as dit de ne pas s'habiller en sexy, mais qu'on soit habillé décemment. Seigneur, tous les accoutrements que j'ai portés pour aller séduire, je te demande pardon pour ça. Les bijoux que j'ai mis sur mon corps, je te demande pardon pour ça, Jésus-Christ de Nazareth. Les habits qui n'étaient pas
des tuniques que tu as dit que cela vient de l'ennemi, que j'ai porté. Je te demande pardon pour ça. Jésus-Christ Nazareth. Tu as dit de ne pas manger de nourriture impure. Alléluia. Toutes les nourritures impures que j'ai mangées. Je te demande pardon pour ça. Dieu vivant, je t'en supplie. Les injures que j'ai fait sortir de ma bouche. Tu as dit que c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche, de mon âme, de mon cœur, ma pensée, qui n'a pas glorifié ton nom, je te demande pardon pour ça. Jésus-Christ de Nazareth, j'attrape tes pieds, je te demande pardon. Seigneur, tu as dit que chaque vidéo que je veux regarder, je veux visualiser, que je te demande pour que tu me dises si cela vient de toi ou pas. Les vidéos sur lesquelles j'ai cliqué sans te demander, je te demande pardon pour ça. Jésus-Christ Nazareth, je te demande pardon, Seigneur, pour les films mondains que j'ai regardés, la musique mondaine que j'ai écoutée. Je te demande pardon pour ça, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je t'en supplie, Seigneur,